Hello à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va tester un avion, surtout un nouveau A320 de chez Flybuyer, qui est plutôt sympa. Enfin, plutôt sympa. On va le tester surtout, mais parce que je ne l'ai pas encore testé vraiment. Hein. Mais on va se voir comment, on va voir du moins comment il se comporte et voir si bah, le modèle de vol est plutôt sympa ou pas. Donc, c'est surtout toujours ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme d'habitude? Sur la 320, bah, on va s'amuser à le démarrer hein, comme d'hab. Alors on va voir si, déjà voir si tous les boutons fonctionnent. Ça c'est déjà une chose. Tac. Flight attendants, arm doors and cross check. Once again, we'd like to welcome you on board. Your safety is our top priority, so we appreciate a few minutes of your attention while we demonstrate the safety features of this aircraft. You can follow along with the safety information card in your seatback pocket. To fasten your seatbelt, insert the flat metal end into the buckle and pull on the strap too tight. To release, just lift the top flap of the buckle. Please keep your seatbelt Alors, on a presque tout allumé, l'avion n'est pas loin de démarrer tôt, on va dire. Alors, on va pas faire. Je vais faire un vol à vue, hein, donc pas de trajet, rien. C'est juste pour tester justement l'avion. Toujours un petit peu embêtant, ça attaque. Voilà. Est-ce que ces touches-là fonctionnent? Apparemment, ils ne fonctionnent pas. Si, tac, ah, voilà. C'est pas toujours très ciblé en fait, hein, tout ce qui est bouton. Ça c'est bon. Voilà. Alors moteur gauche en route. Là c'est une grande surprise, hein, c'est la première fois que je le teste. Voilà, on se met au point zéro. Vous allez voir, c'est une bonne surprise quand même. Ça peut être sympa. Allez. Faut que le temps que le deuxième se mette aussi en route. Petit 15 000 pieds pour tester un peu ça. Ah, c'est pas très bien ciblé quand même, hein, sur les. On va toucher le bouton, mais en fait c'est juste à côté, ce qui est juste un peu dommage. Oh, c'est pas très grave en soi quand même. Hein. Alors ce qu'on va faire, on va faire un pushback. Voilà. Flight attendants, please prepare for takeoff. Voilà. Tout
tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. C'est pas très synchro hein, quand même, hein. Pushback quand même. Hein. Ce qui est un peu dommage. On va ralentir, on va un petit peu vite. Allez, on arrête. Front park. C'est bon pour moi. On remet, nickel. On va avancer un tout petit peu, voir si ça fonctionne bien. Ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, alors, le gauche droite, pas toujours évident. Ouais, donc là, c'est vraiment. On a du mal à le contrôler un peu, mais un petit souci, je pense, de, on va dire un petit conflit entre le palonnier et le joystick qui fait que. Ça va aller, on va le contrôler, c'est pas un souci. Alors le livret qui est dessus en fait bah, c'est la 320 Neo hein, en fait hein. Avec un petit symbole dessus en fait avec le petit logo de AB3. Essaye un petit peu de jongler avec ça. Là, il va un peu vite. Voilà, on va le freiner un peu ses ardeurs. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, on va voir ça une fois qu'on va décoller, justement, on va voir un petit peu son comportement. Une petite montée entre 10 et 15 degrés. On va freiner du palonnier droit. Comme ça, ça l'aide un peu à tourner en même temps. Alors je vous dis c'est un vol test, hein. C'est pas un vrai vol, forcément. Allez, on n'est pas très centré, mais ça va aller. Voilà. Allez, go. On se met. On va voir un petit peu voir comment ça tourne. On se met en CL. En CL, il va décoller, sans souci. Enfin, normalement. Hein. Vite quand même hein.
Je vais régler un peu le speed à 240. Voilà, on regarde si ça marche bien. La P1, P2 fonctionne bien. On ne prend pas les 15 000 pieds. Je pense que ça va le faire bientôt. Allez, la surprise, c'est que c'est ça. Voilà. Un nouvel Airbus A3. La bonne blague. Voilà, en fait, bon, c'était juste pour un petit peu pour déconner, bien sûr. Et voilà, un petit Airbus bien sympa. On peut faire des petits vols bien cool. Vous voyez, il est vraiment super. Franchement, c'est marrant. C'est vrai que pour dire de voyager avec très peu de personnes, avec un avion extrêmement puissant pour sa taille. Donc voilà. Bon, je trouve génial. Il est plaisant, franchement. Et bah, je trouve qu'il vole, plutôt super bien, quoi. En automatique. Voilà. Non, franchement, il est bien. Hein. Il est au top. Hein. Allez, tiens, pour la peine, on va se faire un petit screenshot pour le plaisir. Clac. Voilà. Alors, le lien sera dans la description, comme d'habitude, et le Discord. Surtout, je vous rappelle aussi le Discord, et parce que c'est vrai qu'on est une grande communauté, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il est assez complet quand même, hein, il y a beaucoup de monde. Donc, de soucis. Donc voilà, vous avez juste accroché le petit avion pour vous valider aussi en même temps dedans. Donc le Discord. Voilà, vous voyez, bah, n'hésitez pas à venir, à discuter avec nous. Allez, moi je vous dis en tout cas à bientôt. Puis dans la description, le lien d'avion il sera aussi, hein, bien sûr. Allez, bye bye et bon vol à tous.